Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Transport Fever 2. Donc cette fois le but ça va être déjà d'améliorer l'approvisionnement de Villeneuve d'Ascq, je vais y arriver quand même, en nourriture. Donc je vais essayer de créer une ligne de train, vous voyez, qui est assez courte ici, c'est pour booster l'approvisionnement céréales de l'usine de nourriture. Parce que ça manque énormément. Donc pour le démarrage, hein, vous oubliez pas, hein, c'est important, faut toujours vous abonner. Ça c'est pour le soutien. Et puis le Twitter, vous voyez en haut à droite. N'hésitez pas, je réponds toujours aux questions. Alors, donc, ce qu'il nous faut par contre, du coup, il va falloir qu'on booste tout ça. Donc ici, on va créer une autre gare. On va essayer de faire en sorte que ça s'améliore tout ça. Alors, je vais faire peut-être une longueur 80 mètres, ça suffirait. Peut-être pour ça. En nourriture, voilà, en logistique. Alors, est-ce que si je la mets là, est-ce qu'elle le prend? Ça a l'air, hein. Elle est en surbrillance. Vous voyez, je pense que quand c'est en surbrillance, voilà, je peux pas la mettre là. Mais là, normalement, elle doit prendre. On va faire ça. Ensuite, on va créer des rails. Donc là je fais une simple boucle, hein. C'est pas... Et la vitesse c'est pas spécialement important. On va créer notre ligne, donc on va l'appeler TEAPRO train céréal, ouais, un truc comme ça, dans ce genre là. Céréal là. Alors, on va mettre NES. Hop. Donc l'appro train céréal, il est là. Donc, on va le mettre. Donc lui, il va chercher ici. Et ramène là-bas. C'est tout ce qu'il fait. Et donc, il charge des céréales. Voilà. Alors, c'est là où ça va se corser parce que je pense pas avoir l'argent pour acheter le train. Ah! Sachant qu'ici je suis sur du simple bois, donc je sais pas comment je vais faire, sachant que j'ai pas mis de canton. Donc ça veut dire qu'il faut que je crée des cantons. Au moins un canton pour... Ah non, il faut que je crée une double voie, j'ai pas le choix, sinon je vais pas pouvoir en faire rouler deux sur le même. Sauf si je mets un dépôt de train ici, peut-être. Alors on va faire ça, ce sera sûrement plus simple, plutôt que d'aller créer des cantons de l'autre côté. Si je mets ici, voilà, voilà, donc là c'est bon, ça marche, ma ligne, elle est créée, train céréal, ça marche. Alors, un train, combien ça va me coûter? C'est le problème. Bon, il y a une sacrée belle vapeur, hein. Donc, on a dit celui-là, non, c'est ce... Le moins cher c'est celui-là. Ah ouais, mais par contre on est à 7 millions. Ça c'est compliqué, hein. Alors, on va regarder nos finances parce qu'on a un autre problème, c'est qu'on a déjà 35 millions de prêts, sachant qu'on a droit à 100 millions. Là, il me faut au moins 12 millions, voilà. Donc là je suis à la moitié de ma capacité d'emprunt. Là c'est quand même pas terrible. Mais bon, on va faire avec. Donc, on va prendre marchandise. Et là, il nous faut des céréales. Donc, ça, ça pourrait le faire. Ça, non. Parce que je sais pas s'il a pris le bon. Celui-là, 16. Ah, mais il n'y a pas de... Ah oui, il va virer la loco, en fait. Ok, voilà. On est quand même sur un train à 8 millions. Par contre, on a une capacité de 24. Est-ce qu'on pourrait pas faire mieux? 40. On va tenter ça, hein. Parce que là, si on fait ça... Voilà. Après, au train céréal. Ça doit marcher, ça. Alors là, par contre, on risque de booster à mort...
Voilà, donc là, il y en a très peu pour le début, mais là, je pense qu'on va booster à mort l'usine. Hein. C'est ce qu'il nous fallait pour pouvoir... Vous voyez, parce qu'après, on prend ici la nourriture et on l'envoie à Villeneuve-d'Ascq. Le but de l'opération, c'est ça. Donc là, on voit que la gare, elle se remplit assez rapidement. On est déjà à 15. Voilà, donc là, ça va aller assez vite. 14. Donc là, c'est une ligne qui va devenir très rentable. Très rentable. Alors, là, on avait Miramas. Ce qu'on pourrait faire à Miramas, c'est peut-être pour booster tout ça, c'est faire une ligne de bus intérieur. On va faire ça. Donc, on va créer quelques arrêts. Voilà. Alors, on va reprendre notre filtre habituel. Voilà. Donc là, ça circule pas mal. Là aussi. Là aussi. Et là aussi. Voilà. On va pas en faire plus. On va faire une nouvelle ligne de bus Miramas. Busville. Ramasse. Bon, ce que j'aimerais, c'est maintenant développer un peu, essayer de gagner un peu d'argent, parce que le problème, j'aimerais bien faire les trains, les avions en fait. Donc là, je pense qu'il va falloir pas mal d'argent. On crée notre ligne. Voilà. Par contre, on n'a pas de dépôt de bus ici. Ah oui, à Miramas, on n'a pas de dépôt de bus. Ça va être problématique. Donc on va en créer un. Alors, j'aimerais, il faudra qu'on essaye peut-être, alors pas sur cet épisode-là, sur un autre, il faudrait qu'on essaye peut-être le métro et le tramway, ça peut être marrant. Alors, là, on va acheter simplement... ah, vous voyez, on a un nouveau bus, un double, là, il est pas mal celui-là, 510-21. C'est bus accordéon, hein, c'est excellent. Bon, ceci dit, celui-là, il va très bien déjà. Hein. On va acheter un... Busville Miramas, déjà 21, il faut déjà sacrément remplir vos... Vous voyez les gars, elles sont loin d'être pleines. Hein. Je pense que tant que le train n'est pas rempli, c'est pas rentable. Hein. Si on prend la rentabilité des lignes, voilà, vous voyez les trains en bas là, c'est... C'est moins catastrophique que tout à l'heure, mais quand même. Là, on va essayer de trouver d'autres chaînes. Donc là, on fait tourner un peu pour gagner de l'argent, parce que vous voyez, on est à moins 1,3 million. Oh, regardez, on vient de gagner le TGV. Alors ça, c'est excellent. On va pouvoir faire tourner les TGV. Quelle année on est? 1981, c'est ça. Donc les TGV, bon, c'est 58 millions, hein. Donc vous voyez, vous avez intérêt de rentrer de l'argent. Donc là, on a développé. Alors, peut-être qu'on pourrait développer une autre ligne. Hein, Est-ce qu'on pourrait développer l'avalanche hein? Est-ce qu'on pourrait mettre une ligne de train, là? Ça pourrait être pas mal. Hein. Est-ce que j'arriverai en double, là? Ah, il faudrait que je passe, j'arrive par là, par contre. Ouais. Eh ben, on va quand même tenter. Allez. On va se faire ça pour cet épisode. Ouh, qu'est-ce que c'est que ces gardes, donc? Ils sont chouettes. Ah oui, elles sont chouettes. Ah, mais les autres n'ont pas changé, par contre. Non, vous voyez, j'ai une nouvelle gare pour les nouveaux, mais pas... C'est chouette. Allez, une gare là. 2 millions. Est-ce que j'arrive à faire mes... Voilà, on vient de terminer notre ligne Avranches-Miramas en train. Donc là, cette fois, on va l'activer. Donc on va créer la ligne Miramas. C'est un TER. Miramas.
Avranches. Voilà. Alors, le problème qu'on va avoir, comme d'habitude, c'est toujours l'argent. Donc là, j'ai beaucoup investi, hein, donc ça va être... J'espère que je ne vais pas me faire avoir, je le répète à chaque fois, mais... Parce que souvent, on crée des infrastructures qui sont énormes. Donc là, on est bon. Ce train-là, il devrait fonctionner. Ouais, sachant que... Voilà, là, on a carrément... Donc, j'aimerais bien rentrer beaucoup d'argent, parce que j'aimerais bien créer des aéroports, maintenant. C'est ce qui serait rentable, et je pense que c'est ce qui augmenterait le développement de nos villes au maximum, hein. Donc là, on a notre train. Alors, le problème qu'on a, voilà, c'est toujours le problème habituel, c'est qu'il nous faut au moins, avoir 8 millions. Ça va, je suis qu'à 60... J'ai 100 millions, donc c'est un peu... C'est pas mal, mais je pense qu'on risque d'être limite. Donc on va racheter toujours le train du pauvre, hein, qu'on prend le moins cher possible, avec seulement un wagon. Ah, par contre, on a ceux-là de wagon qui peut être pas mal. 2 millions, hein, il faut 1 million de plus. On va, pour l'instant, on va prendre celui-là. Donc on a pas mal, vous voyez, le prix d'un train, c'est 12 millions. Hein. Donc c'est très compliqué à mettre en route. Sachant qu'on n'a pas commencé encore à renouveler nos véhicules. Parce que ça, ça gère l'usure des véhicules. Donc dès qu'on va commencer, il ramasse Avranches. Voilà. Quand on va commencer à renouveler nos véhicules, ça va être très compliqué. Hein. Alors, je vais peut-être faire un canton de plus ici. Ouais, je vais en faire un ici. Intermédiaire quand même, voilà. Parce que pour l'instant, on n'a qu'un train qui roule dans chaque sens, donc c'est pas gênant. Mais ça va... Si on se développe, ça devrait s'améliorer. Ça devrait être compliqué. Alors, maintenant, on va jeter un œil à nos gares, voir si quand même on... Ah, c'est pas extraordinaire, hein, le transport de passagers. Je pensais que ça allait me gagner plus que ça, mais vous voyez... Par contre, est-ce que mon train de... Voilà, on a un autre problème, c'est qu'on a tous les trains qui nous... Voilà, qui nous coûtent de l'argent. En fait, là, on perd de l'argent avec nos trains. Donc, on va développer la route encore. Il faut qu'on développe la route. Donc, Miramas, on avait fait, c'est bon, il n'y a pas de souci. Alors, on va chercher un bout d'usine qu'on pourrait développer. Parce que vous voyez, en train, on fait une belle boucle. Hein. On fait déjà Villeneuve-d'Ascq, plutôt Miramas, donc il y a de quoi faire. Hein. Alors, une ligne qui pourrait être rentable, pas trop loin. Ça pourrait être bien. Ça permettrait d'avoir des matériaux plutôt. Seulement, il nous faudrait de la pierre. Donc, il faudrait qu'on trouve de la pierre dans le coin. Et la pierre dans le coin, il y en a ici. Ok, par contre, on n'a pas de route là. Pas de route. Alors, est-ce qu'on pourrait faire une petite ligne de train? Ça vaut pas le coup. On va faire une route. Hein. Est-ce que là, si on... Alors, le problème, c'est que je vois que là, il y a 200 000, vous voyez. Je vais emprunter, hein. J'ai pas le choix. Donc, je me remette à flot. Voilà. Donc, ça va très vite être compliqué. De 800 000, vous voyez, ça chiffre vite, hein. Ok. Donc, on a dit, il nous faut deux dépôts de... Donc, il nous faut un dépôt ici. Il va nous falloir un dépôt de véhicule aussi pour arriver là. Voilà, ici. Et là. Et donc là, normalement, on doit pouvoir approvisionner. Alors, par la route, peut-être que celui-là va y arriver. Par contre, ça va être très long, hein. Ça va être très très long. On va faire un dépôt de véhicules routiers à Avranches. C'est plus simple. Non, je me suis trompé. C'est là. Voilà. Et on va se mettre un dépôt ici. Voilà. Là, c'est bon. Du coup, on va créer notre ligne. C'est de la pierre. Apropierre, on va l'appeler. Pierre, on va développer le routier parce que le chemin de fer c'est bien. Alors si vous avez des de la pierre ici, ah ici,
si vous avez des feintes, des astuces. Ça, c'est de la pierre, ça. Pierre, voilà, c'est très bien. Voilà, plus qu'à prendre des véhicules, on va essayer de démarrer ça. Donc, en marchandises, on va garder notre véhicule qui est très bien là. On va en prendre 3, on va en prendre 4. Voilà. La paupière, c'est celui-là. Et vous voyez que là, tout de suite, on commence à se mettre en route. Et du coup, on pourrait créer pour aller chercher l'usine à Puteaux là. Bon, là, ça met un moment à se mettre en route, hein, parce que. Ça va être rentable. On va quand même la créer, celle-là. Donc on va créer une nouvelle ligne qui s'appelle Apro Matériaux Puteaux. Allez, on va faire ça. Matériaux Puteaux. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on a débloqué? Bah, du matos, mais toujours de plus en plus cher, donc pour nous, ça nous... Est-ce que d'ici... Ah, mais j'ai pas de... Si, j'en ai un logistique ici. Voilà. Si, si, ça marcherait. Bon, ça fait une sacrée boucle. Mais... Alors, plutôt est. Moi, il va charger des matériaux. Voilà. Donc là, on est bon. Ok, donc ça va fabriquer tout doucement. Alors peut-être qu'on devrait faire que deux camions pour l'instant. Ouais, on va faire que deux camions. Toutes marchandises. Voilà. Et tout cela, on va faire Apro Matériaux Puteaux. Très bien, voilà. Donc là, on est ok. Vous voyez, bon, là, il est plein le dépôt. Hein. Vous voyez, quand on regarde, il est au max, là il a 33, donc c'est impeccable. Sachant que, bon, là ça va fonctionner. Ce qu'on va faire, c'est, bon, on l'a mis au maximum. Donc là, on va faire une ellipse. Et on reprendra à ce moment-là. Voilà, on vient de finir d'optimiser la ligne d'approvisionnement de céréales, donc on... En fait, on a supprimé l'approvisionnement par camion et on le fait uniquement par train. Donc ça me fait gagner de l'argent apparemment, vous voyez, parce que du coup le train repart à plein, j'ai rajouté les wagons. J'ai fait une petite boucle pour pouvoir pour régler le sens des trains, parce que comme c'était une ligne à voie simple, pour qu'ils puissent rouler chacun de leur côté, donc ça problème. Écoutez, je trouve que c'est pas mal, on s'est bien débrouillé sur cet épisode, on va essayer de continuer. L'avantage, ça va être essayer de... Maintenant, le défi, ça va être de gagner de l'argent, parce que là, on a vraiment dépensé beaucoup sans compter. On va voir ce qu'on peut faire. Donc, je vous dis à très bientôt. Vous pensez à vous abonner, ça, c'est super important. J'espère que ça vous plaît comme série. Si ça vous plaît pas, vous le dites, il n'y a aucun souci. Voilà. Enfin, moi, quoi qu'il en soit, c'est un jeu que j'affectionne, et donc je vais continuer à jouer. Allez, je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.